Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 34e épisode. Et rappelez-vous, nous étions avec Abby dans le parking de l'hôpital et on va affronter un boss, ce me semble. C'est parti. Bon, à la base, on était surtout venu chercher du matériel médical pour opérer Yara. Plutôt pour que Mel opère Yara. Vas-y, ça va être vide. Lève, on a gagné le jackpot. C'est vrai que Lev, il est tout seul dans son coin, du coup. Ok, c'est incroyable. En fait, on va plutôt fuir, on va pas combattre. Hein. Ah la vache. Un coup, faut marteler carré, un coup, faut maintenir triangle. C'est assez perturbant. Oh la vache. Attends, mais comment on fait? Ah merde, c'était là. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est hyper tendu. Allez, on peut y arriver. Tiens, mange ça. Putain, on a même cassé la hache. Ah mais ils m'ont vraiment laissé juste en face. Merde, je suis bloqué. On va changer de cartouche. Merde, je suis bloqué. Je suis désolé si je parle pas. Je suis relativement concentré. On l'a eu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous emmène. Je vous buterai tous les deux. Ah merde! Ah ouais, d'accord, il fait ça lui. Oh non! Ah, c'est du one shot. Ok. C'est rare les boss où c'est du one shot vraiment. Bah écoute. Ah d'accord, il y a un passage ici. Ah non, mais là il y a plus de passage. Le truc c'est que... Meurs pas toi! Allez, encore! On n'a pas le temps là!
final, c'est rien qu'un jeu d'esquive, hein. Je vois pas où il est, le petit. C'est dur! C'est pas facile, le jeu vidéo, hein. Non, t'inquiète, on va pas mourir. Ok, j'ai plus rien. Bon, là, j'ai vraiment plus rien. Putain, mais quel sac à PV! La vache. Attendez, je sais pas, je vais faire une expérience, on va voir si vous allez entendre. C'est ouf. C'est ouf, je sais pas si on aura entendu au micro, j'ai essayé de vous faire écouter mon cœur. Mon palpitant qui battait à fond. Oh la vache. T'imagines les mecs qui... Non mais en hardcore c'est pas possible ça. Ah, ça m'a bien carré les tuyaux explosifs là. J'ai plus les mots. Putain, il m'a rincé. Il m'a pris toute mon énergie. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon là, frère. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon. Merde, c'est les bonnes balles. C'était chaud, hein. Mais t'inquiète pas que maintenant je vais bien prendre mon temps pour fouiller, hein. Il a rien sur lui. Ah, il paraît tout petit maintenant. Ah. Okay. Mais comment ça peut... Comment il a pu être aggloméré de la sorte? Enfin, je veux dire... Putain. Quoi encore? Non mais c'est fini le boss, hein. Putain, il est encore vivant. Comment? Comment ça, il est encore vivant? Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que moi, au pire, je règle ça avec un coup de pompe. Si tu veux, c'est pas un souci en soi. Ah, c'est tellement grand. Ouais, en fait, je passais par... par les mêmes endroits. Et en fait, c'est ici, à chaque fois je me trompais, je pensais que c'était une fenêtre. C'est pour ça que je suis mort une fois. Ok. Mais il y a tellement de cachettes. C'est énorme. En fait, ça peut être un vrai plaisir une fois que tu l'as affronté une première fois. Genre de le refaire. Bon, pas tout de suite parce que je suis pas prêt là, mais t'inquiète. T'inquiète, un jour on le refera. Par contre, c'est hardcore, hein. Bah d'où je viens, moi? Ça, j'ai pas pris. Oh! Mais ça, on... Ah non, c'est le même que le mien. J'ai cru que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est vrai que j'ai même pas utilisé le lance-flamme, au final. Les tuyaux m'ont tellement sauvé la vie. Ok. Il y a une porte par laquelle je suis pas passé, c'est là. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Sûrement des trucs bien intéressants. Ah oui! Ah mais ça va, il y a masse de ressources en fait. En fait, ouais. Faut que j'arrête de dire ce mot, hein. Mais finalement... On était large. Je vais pas faire le requin parce que je suis mort une fois. Mais quand même. Une seule fois. C'est mieux que rien.
Ah la vache, je suis lessivé par ce boss. Ici c'est bon. Je veux pas rater le moindre truc à ramasser. Hein. Même si je pense que ça va être le cas. De toute façon, il faut aller là-bas. Peut-être pas. Je sais pas trop. Ouais, si, à la sortie, il clignote. Il est peut-être même pas encore totalement mort. Si j'ai autant de trucs à ramasser, c'est peut-être pas pour rien. Bon bah on y va. Ça va super comme tu dis. Mais c'est pas possible. Il doit y avoir un... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une super glue en fait. J'espère qu'il peut pas se reformer. Comme une sorte de symbiote là, un venom de l'enfer. Donc nous on va vraiment chercher la castagne. On doit partir par la porte par laquelle nous étions rentrés. Eh ben... Mais où est-ce qu'il est? Ah bah t'es là. Mais quoi? Mais il est possédé cet enfant. Bon, on va reprendre de la vie. Il est trop fort hein. Ils ont bien compris que tout le monde détestait les rôdeurs. Ils t'en ont mis un avec P2. Tu allais bouffer, t'es sur un, oui. C'est bon là? Ça a l'air d'être bon pour lui. Si c'est moi la loi. Ça tu l'as dit. Je commence à être de plus en plus d'accord avec Abby. Je sais pas si c'est un bon signe. Mais bon là, je pense qu'on est tous dans le même bateau là-dessus. Des soins s'il vous plaît. Vous avez vraiment besoin de me poser la question encore? Ce serait cool qu'ils adaptent, c'est genre le gameplay en fonction de ton de quel type de joueur tu es. Genre à force ils savent que tu fais que des kits, alors ils te les proposent même pas, ils te les font dès que tu peux. Ce serait bizarre, ce serait un mode de jeu un peu particulier qu'il faudrait choisir. Pas que ce soit imposé non plus, mais c'est pas toi. Si c'était toi. Bon d'accord. Eh ben à mon avis on s'en va. Hein. Je pense avoir fouillé à peu près partout. Ok. Par contre, les wolves ils sont partis là, genre. Ils ont rien entendu. On leur a mâché tout le travail quand même. Hein. Ah. Mais j'ai l'impression d'être invincible. Personne ne croira jamais un truc pareil. Si, je pense que. Oh, Hawaï. J'adore Hawaï. J'aimerais bien y aller un jour. À Honolulu. Ce serait vraiment le feu. Voilà, c'est tout. Fin de l'anecdote. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans le coin? Moi, je suis vraiment un fouilleur. Je suis un fouineur, là. Voir un truc. Non, à moins que ce soit un reflet.
Ok, ça m'a l'air d'être bon. Bon bah on sort. On va pas s'éterniser. Alors comment on fait? Par là? Ah. Ouais, je te comprends. J'espère qu'Yara tient le coup. T'imagines que nous on est en train de se plaindre avec des petits masques qu'on doit porter quand on est dans un endroit fermé et... Là, tu dois avoir un masque à gaz. Quoi ? Ils sont tous à ta recherche. T'as fait quoi au juste ? Rien du tout. Je t'avais dit de pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Hé. Viens, suis-moi. Salut Alice. Salut. Caresse-la. Vas-y. Là, tu vois. C'est fait. Tu peux aller la voir si tu veux. S'en tirer. Oui, on dirait. Salut, toi. C'est des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé ? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok. Encore ? Mais on va le refaire combien de fois ce passage ? Par contre, j'aime. Là, je suis content. Je suis content, on a revécu un petit peu des scènes qu'on aurait pu apercevoir dans le premier. Ces petites scènes de calme, là, ces moments un peu paisibles. Bon, certes, c'est une opération le truc, mais. Ces petits accords de guitare, de banjo, ça fait plaisir. Et je me demandais. Si un jour on a une partie 3, est-ce qu'on reverra Abby? Parce qu'au final, au bout d'un moment, les gens seront habitués, tu vois.
Là, au niveau des épisodes, on a deux avec Ellie, un avec Abby et peut-être qu'un deuxième où on reverrait les deux personnages justement. Je sais pas trop. Mais en tout cas, si un jour il y a une partie 3, je peux vous dire que j'espère être au rendez-vous. Owen? Yakma. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tige de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby. Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby? Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lev s'est calmé. Ça ira. Bon. Tu veux bien m'aider à le chercher? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Bon, bah c'est confirmé. Mel est vraiment le personnage que je déteste le plus. Avant c'était Abby, maintenant c'est Mel. Je sais pas si elle est au courant du coup. Lève! Si elle est au courant pour Mel et... Lève! Reviens, s'il te plaît! Et Abby. J'arrive, hein. Pourquoi Lève veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère.
Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Il y aurait moyen de faire quelque chose? Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev! Lev! Je suis désolée! Lev, viens ici! Lev! 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 Viens, s'il te plaît! Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Je sais pas comment te remercier. C'est pas la peine. Tout ça, je l'ai fait pour moi. C'est faux, pourquoi elle dit ça? Elle va pas écouter les conseils de Mel quand même. Elle dit ça sur le coup de la colère. Tu as entendu? Lev! Hey, n'aie pas peur. Tout va bien, elle veut jouer, c'est tout. Salut ma belle. T'as trouvé quoi? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. Va chercher ma belle. Merde, on peut pas le percher son truc. Vas-y, lâche. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Sur toi. Dans la bouche du truc. Oui, t'es rapide. Où est-ce qu'on pourrait le bloquer le truc? Ah, je suis du genre à vouloir... Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non, pas de danger. Vas-y. Allez, ramène. À moi? À toi? Je peux recommencer. Bon bah vas-y. Je crois qu'elle demande que ça. Est-ce qu'on continue? Ah, c'est à moi maintenant. Bon, on va jamais s'en sortir avec ce chien. Merde, je pensais qu'on pouvait le bloquer là-bas. En fait, non. Et dans la gueule du requin. Si j'essaye là. Non. Bon, on va avancer parce que c'est bien gentil, mais nous on cherche Lev. On devrait continuer de le chercher. Lev! Pourquoi il fait ça? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler... Lily. Pendant longtemps... je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois... nos traditions. Quand il... m'a expliqué... ce qu'il ressentait au fond de lui... je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça.
Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes parti. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. C'est où Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Peut-être que leur île, c'est Nootka. Je sais pas si vous connaissez Nootka. Mais ça pourrait être ça. Mais je me demande si la partie 3 serait pas le voyage jusqu'à Santa Barbara. Ah non, je suis con. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Je suis con, ils sont morts les autres. Je suis paumé moi. J'avais limite oublié. Un t-shirt? Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts. Surtout qu'ils sont tous sales. Qu'est-ce qu'on aurait? Des lunettes de soleil? Je sais pas. Un pélican? Ce serait cool ça. Bon, à transporter c'est un peu galère mais... Ça, c'est mignon. Ouais, je m'arrête plus. Ya. T'as trouvé quelque chose? Non. Continue à chercher. Eh ben, on cherchera le cadeau pour Lev dans l'épisode prochain, dans le 35e, il me semble. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines notifications et donc des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.